Chers amis, en Jésus-Christ, chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons grand merci à nos yeux de nous déposer nos appels. Parce que nous offrons une opportunité pour nous capables nous justement dans le service. Nous le savons, nous capables nous utiliser pour nous capables propager la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Notre congrégation ce dimanche en 21 janvier 2001. Ce dimanche 10 janvier 2001, nous capables de jouer dans la présence de Dieu. Et c'est un très grand privilège pour mes chers amis de parler entre les lignes autour d'un sujet très intéressant, très important, intitulé la sanctification par la grâce. Déjà souhaité par nous toutes qui branchaient notre capacité enseignant ça, la sanctification par la parole, souhaitons la bienvenue à la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons tous qui déjà branché et nous renseignons Jocelyn et Jean-Louis. Et tout le monde qui est déjà connecté pour participer à la réponse dans le cadre de l'enseignement, c'est le message qu'on a chaque dimanche, puisque vous devez nous lancer les paroles, vous devez nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et à tout le monde qui est déjà connecté pour apprendre à l'enseignement avec nous, nous souhaitons que vous nous apprenez une grâce spéciale. Généralement, mes chers bien-aimés, on définit l'objectif ou le sujet. Alors, quel est donc le sujet du jour? C'est la sanctification par la parole. Et qui objectif nous en a sujet ça? Question, c'est que chaque jour est le moment que nous allons sanctifier pour mon Dieu si on voulait vivre éternelle. Et on finit par les enseignants, ça, nous veut en mesure pour nous partager à notre vie. Voilà, mes chers amis, mes chers amis, objectif, nous, en tant que sujet. Donc, nous disons, chaque bien-aimé, on est. Que pour le sauver, c'est-à-dire pour la vie éternelle, il faut que nous menions nos vies sanctifiées à nos dieux. Nous disons, le refus à commencer, nous, ça. Et être capable de partager à l'autre, ou les capacités à l'habilité à Dieu pour avoir partagé à l'autre. C'est ça l'objectif. Les saints, les chrétiens de Rome, hein, qu'ils ne pourront pas avoir la vie éternelle sans une vie sanctifiée par la parole. C'est seulement une vie sanctifiée par la parole de Dieu qui va permettre que nous ayons vie sauvée, va permettre que nous ayons la vie éternelle. C'est ça nous faisons comme objectif, mes chers amis, mes chers bien-aimés. Alors, dimanche dernier, nous tenions bien l'opportunité, mon Dieu te permet de m'étudier ensemble avec vous, enseignant ça, qui était baptisé marcher dans la sanctification. C'est ça notre enseignement dimanche passé, marcher dans la sanctification, mais je dis assez la sanctification par la parole baptisée. Marcher dans la sanctification. Vous voyez, nous avons l'enseignement du dimanche passé là. Nous cherchons pour vous origine grecque de la sanctification. Le mot sanctification qui peut être sorti, nous avons cherché origine. Nous devons que la sanctification vient de deux mots grecs. Premier mot, c'est une grecque. Le premier mot, c'est le mot agiamos. Agiamos, c'est I-H-A-G-I-A. M-O-S, agiamos. Qu'est-ce qu'agiamos ça? Mais il signifie consécration,
il signifie peu riche. Sinon, il signifie sainteté, il signifie l'effet de la consécration, il signifie sanctification, le cœur et le vie. Donc, l'on dit à Diamos, qui se originait pour sanctification, où est nous pour consacrer la consécration, la purification, la sainteté, la donne, nos jeunes pour consacrer nos jeux, pour purifier, pour dévouer, et pour mener nos vies sanctifiées, nos vies saintes devant nous. On va marcher dans la sainteté, on va marcher dans la purification, on va marcher dans la consécration pour consacrer à l'évangile. Pour purifier, pour faire cette vie-là, on va mettre en vie dans la sainteté, ça c'est adiamos, adiamos. Deuxième mot grec, que mot sanctification est tiré origine, c'est agiosoune, agiosoune. Deuxième mot, c'est agiosoune. Agiosoune s'écrit H-A-G-I-O-S-U-N-E. Qui ça, agiosoune, à l'heure d'ici? Avec le titre, agiosoune, ça signifie majesté, sainteté, pureté morale. Majesté, sainteté, pureté morale. On a agiamos. Qu'on a agiosoune, ou dans un mot qui c'est la sainteté, ou de la pureté là, on va chercher le poids devant Dieu, on va chercher une envie sainte devant Dieu, on va chercher une envie de consécration devant Dieu, et on dit ça sanctification. En grec, on dit ça agiamos, et on dit ça agiosoune. Mais, qui ça veut dire par la suite, on dit définir pour nous qui ça veut dire la sanctification. À partir de la définition grecque, à partir de l'origine grecque du mot sanctification, nous est amené, ça a amené à définir le mot, le terme sanctification. Qui ça me dit? Je me dis, parce que la sanctification, c'est le processus. Est-ce que là? C'est le processus, c'est le processus, processus qui va permettre. Quand nous débarrassons du péché, c'est un processus qui nous libère du péché, et par ce que ça va faire, nous devons sainte, la loi de nous pure, que ça sanctification. Et c'est un processus. Par processus, ça n'a pas lié le péché, et n'a pas vu le monde, n'a pas vu le pur, n'a pas vu le saint. Processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Sanctification, c'est un processus lié. Qui processus lié? Processus, ça la permet de libérer le péché de nous, libérer de la pauvreté de nous, libérer de l'impureté de nous, libérer de saleté de nous, libérer de toute vie qui n'est pas toujours à la volonté de Dieu. Et après, si tu peux le processus sera à rendre pur, processus sera à rendre saint. C'est pourquoi les paléments originaires, nous devons adios, adiamos, adiamos, nous devons sainteté, nous devons pureté, nous devons sainteté, nous devons sanctification, nous devons sainteté, nous devons consécration, nous devons purification. Donc, processus sera à rendre pur. Moi, c'est ça la même propre. Moi, c'est ça la même consacrée à nos yeux qui l'est. Lorsque nous libérons le péché, lorsque nous déposons le péché quelque part, maintenant, on a commencé à vivre pour Dieu, on a commencé à faire volonté pour Dieu, et le processus sa sanctification. Étant donné, sanctification sous le processus clé, c'est un marche que l'on a fait avec mon Dieu. Nous représentons le processus là. Notre sanctification, c'est une étape. C'est soit une étape pour bout dans un autre étape. Le processus, nous avons une marche à suivre. Nous avons fait l'un d'avoir une procédure. Une procédure. Donc, on soit une zone pour le dans l'autre zone. Nous avons fait un exemple, on va parler du processus.
afin que Dieu décide à rendre la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Nous avons la vie éternelle, nous avons vu l'esprit. Donc, c'est ça, nous entrons, mes chers amis, par la sanctification progressive. Troisième étape, la sanctification, vous voyez la sanctification totale. Le savoir, si on a un matin qui vient à avoir rien sur nous, et toute race adamique, par le droit, par aucune possibilité d'exister sur la terre pour pécher. C'est pourquoi on te dit qu'étape ça, on va vivre pour le gouvernement de toutes choses. Étape ça, c'est notre pire à l'autre sur la terre. Sanctification progressive, alors qu'il y a des fils sur la terre, vous mettez dans l'air, pas marché. Mais pour le jeu, vous mettez dans le niveau là. Mais alors, anti-avouement, sanctifié, on va dire sanctifié. C'est lorsque Jésus-Christ a acheté la terre, c'est lorsque Christ a déchiré la mort. Tout va bien fini, et ça, nous allons voir la voie du service de Dieu, la voie de la sanctification, nous allons vers le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a dit, lorsque nous allons entrer dans la voie, on a 100% sanctifié. Non, ça a voulu nous parler d'un type de sanctification qui est la sanctification par la parole. Alors, la sanctification par la parole, maintenant, prochainement, question notre ami posé matin. Et sur le tout qui là, notre ami posé même question à sa parole. Question. Question, c'est comment nous capables de sanctifier le travail. Nous dit, nous avons à nous sauver, il faut que nous sanctifions par la parole. La question que nous posons, qui sont posées de nous, comment nous pouvons nous sanctifier par la parole? Il y a la parole. Nous avons posé une question de façon. Comment sanctification par la parole à l'Église? Comment se fait la sanctification par la parole? Comment la sanctifier la parole? Comment nous capables de sanctifier la parole? Comment sanctification la parole à l'Église? Pour sanctifier par la parole, il faut qu'on comment ça fait. Parce que nous devons sanctifier par la parole, la parole, nous avons le comment. Je ne veux pas savoir le comment. Le pourquoi vous faites un miracle, c'est pas avoir la vie. Nous sanctifier par la parole pour que j'aie la vie éternelle, pour que nous ayons la vie éternelle. Le comment? Le comment? Comment a-t-on sanctifié le parole? Ou du moins, qui vient sanctification par la parole qui en fait? Si nous sommes capables de dire ça, si nous sommes capables de répondre à ça, si nous sommes capables de donner une réponse à la question ça, donc nous aurons dit bien mieux. Eh bien, nous allons attendre de vous acheter, mes amis, pour comprendre comment sanctification par la parole est faite. Ou du moins, comment le monde capable de vivre sanctifié d'être par la parole. Non, mais bonne question, on dit. Sanctification par la parole, comment on a fait, c'est lorsque nous demeurons dans la parole. C'est lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu qu'on est capable de vivre sanctifié. Comment pouvons-nous nous sanctifier par la parole? Et la réponse, c'est parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Comment se fait la sanctification de la parole? Elle se fait en demeurant attaché à la parole. Faut que nous attachions à la parole. Faut que nous demeurions à la parole. Là, c'est sa parole, c'est la parole là, à permettre de sanctifier. La parole là, c'est pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a tant de paroles dans le monde. Il y a pile paroles dans le monde. Mais de quelle parole s'agit-il? Mais qui parole? Elle est parole, ça va dire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu qui permet que moi-même, avec aujourd'hui, nous capables de marcher dans la sanctification. Non, oui, je veux la sanctification par la parole. Quand les sanctifications par la parole, il y a une façon de faire. Une façon, pour qu'on puisse demeurer dans la parole de Dieu. Qui, Jean, m'a capable, c'est parce qu'on m'a attaché à la parole. Est-ce que c'est vrai? Je reprends la connaissance du monde, nous disons, et comment on va sanctifier par la parole? Donc, si nous, c'est sanctification par la parole.
Mais comment ta sanctification par la parole? Ou encore, comment sanctification par la parole? Allez, c'est lui-même pour ta sanctification. Pas lui-même. Alors, nous dit, comme la parole, c'est lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu. Comme on y fait, c'est lorsque nous devenons attachés à la parole de Dieu. Ce n'est pas une fois qu'il y a une parole, ce n'est pas parole de Dieu, ce n'est pas parole de philosophe, ce n'est pas parole de politique, ce n'est pas parole de moral, ce n'est pas parole de religieux, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui a permis de nous sanctifier. On ne parle pas de religieux, parce que comme religieux, le Dieu du Seigneur, il y a la parole. Mais le plus souvent, parole il y a enseigné, parole il y a prêché, parce que mon Dieu, parole il n'a pas inspiré, parole il n'a pas vu du ciel. On ne veut pas que ce soit le maître qui inspire, on ne veut pas que la parole il y a parlé, parole il n'a pas inspiré. Donc, quelle parole qui vous permet de vous sanctifier? Non, c'est une parole qui sort à la tête, c'est une parole qui sortit dans la bouche de Dieu. Pour plus de pratique, pour plus d'illustration de la psychique du texte biblique, ensemble, nous allons nous mettre mes chers amis, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 et 26. Nous allons dans Marc 28, verset 19 à 20. Nous allons dans 1 Timothée 4, verset 5. Dans Jean 17, verset 17 et 19. Nous allons dans Jean 17, verset 5. Et Jean 8, verset 41 à 18. Donc, ce texte-là nous va considérer pour nous pas illustrer ça, nous se dit là, sanctification par la parole. Comment on va faire? Comment on va sanctifier par la parole? C'est lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu, c'est lorsque nous sommes venus à la parole. Donc, allez graduellement à travers le texte-là, nous comprenons ce texte-là. D'abord, Éphésiens 5, verset 25 et 26. Éphésiens 25, verset 26. Éphésiens 5, verset 25, et 26, c'est ça qu'a fait de faire ici. Avec peur qui va vivre dans Éphèse, les habitants d'Éphèse ont eu Éphésiens. On a parlé avec Marie. Dis-moi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même et elle. Qui sont l'Église, qui s'en fait livrer lui-même le Père. Ni moi, mais même là, mon Jésus bien et un beau. L'Église, c'est même là, mon Saint-Martin, doué, Marie, et Papa. L'Église a fait, je ne sais pas si ça, je ne sais pas si mon Père, je ne sais pas si mon Père, a fait de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême. Au fil de l'eau, j'ai dans l'eau, j'ai pour un Christ. Maintenant, on va chiter la carte aux dieux pour enseigner. Pour apprendre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Pour commencer à faire des enseignements solides. Tant qu'on a pris l'enseignement, on va être déjà ici. Afin de la sanctifier par la parole, qui va en sanctifier la parole, mon barrière, il doit être avant. Il va dire, faut qu'on en baptise l'eau. Nous disons pour qu'on soit le soir baptisé, on va religion saluer au prix. On se montre. Le roi au Seigneur Jésus, qui fait la solitude de la femme finie. Le roi baptisé maintenant, et il va faire le plan. Là, texte ça. Éphésiens 5, verset 26, démenti comme ça. Il dit, pour nous sauver dans nos entiers. Parce que, quoi je dis sans la signification, personne ne peut faire la misère. Donc, on n'a aucun mal pour nous sauver s'il n'est pas baptisé. Et s'il n'est pas sanctifié de l'autre. Mais, pour nous sanctifier, pour étape pour nous flécher, étape pour nous flécher, pour nous baptiser le Dieu, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême. C'est la fondation pour l'eau, où il y a la monnaie qui est capable de par la parole. Nous ne cachons l'église maintenant, puis au enseigner. C'est pas enseigner d'abord, quand vous enseignez la parole, c'est la sanctification de la parole. C'est pas mettre le chita à faire deux, on a trois, on a quatre, on a passé les affaires, on a une parole, 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 on a
quand les paroles parlent à toi, d'être un projet de Jésus la terre, c'est ça, vous ne lâchez pas pour parler par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas voir mon Dieu. Qui laisse la parole qui peut gérer mon Dieu pour lui, qui destine mon Dieu pour lui, qui peut gérer mon Dieu pour lui, qui peut gérer mon Dieu pour lui. Ne lâchez pas pour mon Dieu. C'est bizarre, vous ne marchez pas bien. Mais sa parole a tout lieu à permettre que les marchés de la sanctification. Le marché de la sanctification est à débarrasser le tout. Parce que le sanctifié, là où le sanctifié, nous est la mise à part. Mais ça va tout de suite. Nous, la séparation, c'est séparation avec le monde. C'est pas un droit, mais ça va pour Dieu. C'est ça le verbe sanctifié. Être mis à part, être séparé, séparé du droit, mis à part pour Dieu. Ne pouvez pas faire comme ça si on nous l'apporte. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême. Donc, enseignant la parole de Dieu, l'éternel important pour la Jésus, dans ce sens, on va dire dans Matthieu 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est quoi tout le monde? Pas plus étendu, on connaît. Le roi fait la terre et utiliser le même combat sacrament de la mer. Il dit, allez, je ne suis pas ici, assis. Allez, faites de toutes les nations des visites. C'est après Jésus-Christ qui ressuscite. Parce que avant Jésus-Christ qui ressuscite, avant Jésus-Christ, il y a des disciples, il n'y en a pas, 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 mais allez, plutôt, il y a un peu dit, perdu la vie, il faut faire. Maintenant, oui, il n'y a pas ça, il y a tout le monde. Il dit, donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Rébaptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le verset 20 qui est connu pour nous, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je vous ai vu tous les jours et jusqu'à la fin du culte. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est un avec les milliers, premier étape en notre sanctification. Non, mais c'est sanctification pour l'islam et sanctification initialement de reproduction et non, pour passer par ça, mais non, la sanctification pour qu'il soit marché avec nos dieux. Donc, c'est pas d'abord là où son maître, c'est lorsqu'on fait baptiser dans l'eau. Lorsqu'on passe dans l'eau, maintenant, on ne lâche pas pour enseigner, pour comprendre mon Dieu, pour comprendre le service. Je dis à vous, on va comprendre le service qui est sûr parce qu'on va enseigner. On ne va pas comprendre le service pour ça parce qu'on va former. Mais nous, dans l'église, c'est quelques guitares, quelques sont en train de vous lever, danser, etc. Lorsque tant qu'il veut pour enseigner le lorsque tant qu'il veut pour planter le monde, par la connaissance de la parole de Dieu, le temps nous est la guerre, c'est ça que tu as dit. Le couper, couper dans ma coupe, pas du tout encore, mais c'est le temps que l'on fait trois pour les pays. Quel est le temps pour faire trois pour les pays, quand on va passer au flanc, on va passer dîme. Quel est le temps pour jouer ici, pour chanter, trois pour la chanter. Ça peut être joué, on va la chanter. Attendez, mon Dieu, c'est pas bien. Mais il faut combien de temps pour enseigner. Parce que par là, mon Dieu, c'est lui à sanctifier. C'est pas permettre qu'on ait envie de s'inviter. C'est pas permettre qu'on ait envie de buter. Donc, il ne faut pas pour Abraham. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est bien. C'est clair, mon Dieu, c'est bien. Donc, vous me sanctifiez. Pour me sauver, il faut me sanctifier par la parole. C'est ma parole qui va sanctifier, va nettoyer, pour me dire par mon Dieu, pour que le vieux péché, le vieux esprit, le esprit, le réalisme, son parole pour vous aider, et vous les mourir comme bagaille sale. Ma parole, c'est la pression des cas de verset 5. Parmi les mots, dit-il, comment va sanctifier la parole, comment sanctification se fait, non, dit-il, lorsqu'on est mûri dans la parole de Dieu. Merci, mon Dieu, par verset 5. Qui s'accorde la visibilité, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous ne pas tout ce que c'est nous qui nous appartient, mais tout est important. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, c'est ça que je veux dire.
Toute est sanctifiée par la parole de Dieu. La sanctification par la parole. Donc, par exemple, moi, vous serez sans pas former l'évangile, sans pas inspirer mon Dieu, sans pas parole de Dieu. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Toute ta grâce, toute une sanctifiée, c'est qu'à sanctifier nous. C'est parole à sanctifier. Que prier, l'Église de Dieu de la prière, pas la question à prier. D'ailleurs, nous ne pouvons pas mourir, parce qu'ils n'ont pas demeuré la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas instruit nous. Montez sous tes joies, par contre, la parole de Dieu, ils n'ont pas instruit nous, ils ne veulent pas se produire. Pourquoi ne pas former, ils n'ont pas instruit la parole, ils n'ont pas instruit la parole de Dieu, ils n'ont pas instruit la parole de Dieu, vous faites cet examen, vous n'êtes pas comme vous. Il y a plus de 50 euros, bleu père, bleu fils, bleu Saint-Esprit. Il y a plus d'objets trois façons. Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le fils, pour voir son prière. Les enfants, on ne peut pas comprendre comment on voit son prière parce qu'ils n'ont pas instruit, parce qu'ils n'ont pas les paroles de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les paroles de Dieu, ils n'ont pas sanctifié. Parce que nous n'avons pas besoin d'être sanctifié par la parole. Ils ne sont pas jeunes paroles. Pour ce Dieu, pas du mal. Je le salue éternel. Mais moi je la tiens, au cas où il enseigne ça, il me dit, oh mon âme, tu le veux sanctifier ou le connaître la parole de Dieu. La tienne, vous autres. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17, ça Jésus dit. Jean 17, verset 17. Mais on va aller dans Jean 17, verset 17, pour moi qui sera à mettre la 17. Non, on priera de ce qui sera à l'issue avec Dieu. Donc, à l'oeil, il y a chez les lignes qui sont Jésus. Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus, ça va expliquer la vie où je sanctifie. Peuple, il y a. Sanctifie mon livre par ta vérité, et plus loin. Donc, on peut expliquer ça, la vérité, la parole et la vérité. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, et plus loin. La parole est la vérité. Qui s'habille qui a, c'est la parole qui vient de Dieu. Au moment de sanctifier la parole, donc il faut qu'on côté où on met Jésus qui est contre la parole de Dieu à l'esprit. Mais au moment de sous-tête, maintenant il y a la parole de Dieu. C'est lui qui a sauvé en sauf qu'il se recette, il se recette, il se recette dans la main de là, on ne va pas aller jusqu'à comme le par la force, si comme ça, on va se sauver. Mais là, je ne vois pas le sanctifier. Par le capteur de Dieu trahi, par le capteur de débarrasser les œuvres mondaines, par le capteur de que mon Dieu est éloigné, ou par le produit d'avantage de Christ. C'est la parole sale qu'on signifie. Donc, où sommes-nous pas perdus? C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et à sanctifier-la par ta vérité, ta parole. Est la vérité. Mais verset 18 a dit, comme tu m'envoyais dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Même si je te vois dans le monde, nous sommes les hommes, je l'ai pour m'envoyer dans le monde. Parce qu'on a dit ici, m'envoyer dans le monde, verset 19. Jean 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour que, afin que aussi soit sanctifié. Sois sanctifié par la vérité, elle dit sois sanctifié par la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça que je dis dans Jean 17, verset 17. Sanctifié par ta parole est la vérité. N'a pas de trouver comme des écarts. N'a pas de trouver comme des parce que. N'a pas de trouver comme des puisque. Sanctifié par ta parole, puisque. Sanctifié par ta vérité, puisque ta parole est la vérité. Sanctifié par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifié par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Même j'ai moi-même sanctifié, même si c'est la majesté, j'ai dit ça déjà, même j'ai moi-même sanctifié mon bouillon, pour que, en retour, il me mette à sanctifier par la vérité, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Donc c'est par mon Dieu qui coupe dans la vie. C'est pas parce que Dieu nous connaît pour nous capables d'instruire, pour nous capables de mener nos vies de sanctification. Il a que ce soit pour nous qui sur la terre, depuis mon salut avec la parole de Dieu, depuis mon salut la vérité, depuis mon salut seulement seul, joindre les parasanctifiés, parce que les parasanctifiés, absolument tout. En pire, les gens vont être connus pour la sanctification.
sauver. Non, c'est faux. Vous sauvez pour vous sanctifier. Vous sanctifiez par une parole de Dieu. C'est pas vos gestes pour nous sanctifier. Sanctifier la parole parce que la parole est la vérité. Jésus dit, moi, je le sens comme je le sanctifie moi-même pour eux, afin qu'il soit eux-mêmes sanctifiés par la vérité. Donc, c'est lui qui a dit pour sanctifier, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. Qui sera Jésus dans Jean 15, le verset 7? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez dans moi et que paroles demeurent en vous, qui est ce que vous êtes, comment pourrons-nous? Comment pourrons-nous sanctifier par la parole? Comment se fait la sanctification par la parole? Nous disons, elle se fait en demeurant attachée à la parole de Dieu. Elle se fait en demeurant à la parole de Dieu, en demeurant attachée à la parole de Dieu. Nous disons, nous pouvons nous sanctifier en demeurant dans la parole de Dieu. Eh bien, Jésus dit là, si nous demeurons dans moi, et que parole moi, que demeurer dans nous, tout ça ne fait pas joint. Comme cette parole, vous êtes une sanctification, comme lorsque nous retiens la parole, lorsque nous attachons la parole, lorsque nous vivons de la parole. C'est ça qu'il y a dans Jean 8, verset 31 et 32. Nous avons dit ça, Jésus dit. Jean 8, verset 31 et 32. Donc tout ça besoin en vue de là en Seigneur pour ne pas prendre sanctification de la parole là, pour ne pas vivre sans la parole afin que nous ne passe à la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 8, le verset 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, qu'il c'est Jésus. Après il dit au courant la parole de Jean, puis je dis au courant de Jésus, je suis sur le feu, vous savez. Alors Jésus nous dit, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Mais sans Jésus-Christ, il y a tout juste qui dit au courant. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme on est capable de citer par la parole, c'est lorsque vous demeurez la parole. L'un des meilleurs paroles est les disciples pour vous. Laissez-la prendre parole. La connaître. Et le gars a franchi, rapidement, le monde s'est dit ça fait au cas de l'église. Il a fait un miracle pour eux, il a un soldat coulé sous eux, il a un bloqué. Pour que tu un bloqué, il a coulé sous tête, mon Dieu, ça a fait au vrai. Pour le cas de l'église, nous avons de l'esclavage. Nous avons de l'esclavage parce qu'il raconte la parole de Dieu. Il raconte la parole de Dieu à disciple pour Dieu. Il va les ténèbres, madame, hier. On va vous dire, Seigneur, mais nous sommes dans les ténèbres. Même nous, on est dans les 3, pour les 4, pour les 5, pour les 6, pour les 11, pour les services. La déchetio, c'est parce que vous avez l'esclavage. C'est parce que vous avez franchi. C'est parce que par exemple, vous avez un Dieu, vous avez un Dieu. Ailleurs, parce que vous avez un Dieu, parce que vous avez un Dieu, parce que vous avez un Dieu. Dans les ténèbres. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, parce que vous avez pas la vérité dans les ténèbres. Les mensonges qu'a enseigné, qu'a prêché, qu'a trouvé, qu'a touché, qu'a touché, qu'a touché, qu'a touché, qu'a touché, parce que l'espace où il y a les parents de Dieu, dans l'esclavage, tout ce monde, il y a style esclave, il n'y a pas à franchir. Vous connaissez la vérité, ça veut dire la vérité à franchir. Mais j'ai bien aimé, comment nous commençons à diviser la parole, c'est lorsque nous demeurons la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la question que je vais poser là, m'a posé nous. Moi, dis-nous,
Pour nous sanctifier par la parole de Dieu qui est attachée à la parole de Dieu. Pour pouvoir vous dire sur ça, pour dire, mais comment il y a un monde capable de lever la parole. Jésus dit, vous connaissez la vérité avec les affichés à qui et dit soulevez la parole. Si vous levez la parole, vous êtes vraiment disciples. Vous prêtez la vérité et la vérité vous affichera. Mais comment capable de lever la parole de Dieu? Alors, comment capable de lever la parole de Dieu? Ma parole est la parole de Dieu lorsque ma mourir de parole. C'est lorsque ma mourir de parole, ma vie de parole, c'est pas là qui c'est nourriture, c'est pas là qui c'est aliment. C'est le savoir capable de lever la parole de Dieu. C'est le savoir capable de sanctifier la parole. Vous sanctifiez la parole là. Mais comment on va sanctifier la parole là? C'est lorsque Dieu veut la main. Mais comment on va donner la parole là? Ma donner la parole là, c'est lorsque la parole là devient pour moi une source de nourriture. Alléluia. C'est lorsque la parole de Dieu devient pour moi une source de nourriture. Laisse-moi capable de lever la parole là. Alléluia. Laisse-moi capable de sanctifier la parole avec la vie. Après nous de la glorification. Alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous avons ce léger délire, mes chers amis. Nous avons dit, quand on se nourrit de cette parole, c'est lorsque nous nous nourrit de ma parole de Dieu, ma parole, alléluia, ma parole sanctifiée. Selon la parole de Dieu, ça signifie. Pour nous, la parole de Dieu, nous sommes tous avec nous. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous connaissez qui ça, ça veut dire, selon la parole de Dieu, pour m'avoir dit la parole de Dieu. Qui ça, ça veut dire, selon la parole de Dieu? Ça, il y a plusieurs significations. La partager ensemble avec quelques significations de selon la parole de Dieu. Pour lever la parole de Dieu, il faut nourrir la parole. Mais comment nourrir la parole? Qui ça nourrit de la parole de Dieu ici? Mais nous disons que ce nourrit de la parole de Dieu signifie plusieurs choses. Mais nous allons partager avec vous quelques éléments de ce nourrit de la parole de Dieu. Premier travail, pour nourrir de la parole de Dieu, il faut écouter la parole. Premier élément, écouter la parole. Nous sommes débloqués. Premier élément, c'est ça que vous la parole de Dieu, forme qu'attendre les paroles. Si vous parlez aux oreilles, dans les paroles de Dieu, ma parole de Dieu. Ma parole de Dieu, par exemple, c'est lorsque se parler dans l'organisation. Il y a un enseignement à faire, il y a un message à prêcher, soit dans l'église, où je t'apprends un enseignement, soit dans la carrière, il y a des gens à faire là, ou la carrière, ou la prédication. Donc, on va prendre, puisqu'on va prendre, on va lire, on va prendre les paroles là, ou on va lire les paroles de Dieu, et pour bien, c'est, ou bien on va prendre la prédication, ou bien on va prier, ou bien on va lire. Quand le chien ne bouge pas, on va prier par le jeu, et si on fait ça, on va voler le parole de Dieu. Il y a des cinq pages pour vivre au jour. Tandis que même les paroles Bible sous forme à papier, je dis à le mot évoluer, ou quand sur le tablette ou bien Bible, sous téléphone portable ou bien Bible, sous tablette ou téléphone portable ordinateur, ou bien pour mon Bible. Le mot évolue aujourd'hui. Au début, c'est non seulement le parchemin que j'utilisais pour les paroles de Dieu, pour les paroles de Dieu au début, sur la loi. Mais avec le temps, vous voulez venir, vous allez découvrir, l'église et son étudiant a fait.
faut être en même temps. Et le pasteur a dit, et c'est pour le temps où ce chien-là va monter les femmes dans la Bible, à mettre vos alliés. Ça, c'est une menace. Ça, c'est une menace. On se rend en ville, on passe une époque, là, c'est une femme en ville. Mais avant, c'était pas chemin qui venait. Ou soit c'est le bon chemin, puis là, vous avez vu avec les ressources de programme de l'Inde. Mais grâce à l'émotion, grâce à l'émotion de la science, vous voulez bien soit ma première. Mais par la suite, vous voulez bien l'autre format, format l'écran. Donc, vous voyez, vous la supplantez, vous captez sur l'ordinateur, vous captez sur le téléphone, tout autre est du bras, ou votre téléphone à bord, ou bien chargé heureusement, ou bien le plan. Aussi simple que cela. Maintenant, la science même va gagner, c'est facile. Je dis à la, pour te joindre le sermon, il faut que tu dans l'église. Mais avec la technologie maintenant, pour qu'on ait un chien à la carrière, parce que c'est la vie, un choc à l'horloge, peut-être qu'on ait une prédication à la carrière, peut-être qu'on ait enseigné la parole de Dieu dans la carrière. Ça, c'est le mouvement de l'homme de l'esprit. Ça, les réseaux à disposition pour les services. Tout ça, c'est le gain de la science et de la technologie. Bref, nous disons, ce qu'on est avant le jeu, nous devons faire écouter la parole. Il ne faut pas la prédication. Soit à travers une lecture, on va faire une lecture biblique, dans laquelle nous allons rappeler les sorts pour lire le parole. Deuxième élément, écoutez la parole de Dieu, ça signifie ça, pratiquer la parole. Deuxième élément, c'est la pratique. Écoute, pratique. Il faut écouter la parole pour qu'on nous le dise. Il faut pratiquer la parole pour qu'on nous le dise. Non, oui. Ça qui arrive, on va coûter, mais on coûte, vous coûtez. Je vais laisser ça auditeur, oublier. Ou bien on va coûter, vous coûtez, vous coûtez. Ou pas coûter pour instruire. Ou pas coûter pour mourir, non, non, non. Ou juste coûter. Je ne sais pas comment nous parler ça bien. Je vais aller dire, prends le livre, je vais aller dire. Je vais laisser ça à Matthieu 7, verset 24 à 27. Nous parlons de Luc 8, verset 19 à 21. Nous parlons de Romains 2, verset 13. Alléluia. Ou bien nous écouter, c'est bien, mais ça va suffire. Il faut vous pratiquer. Et c'est ça qui est bien important. Écouter, c'est le premier étape. Mais il faut vous pratiquer, ça qui est important. Je vais vous dire. Nous voyons que ça Jésus dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27. Dans Matthieu 24, verset, dans Matthieu 7, verset 24 à 27, Jésus dit. C'est pourquoi quiconque, quel que soit mon nom, quiconque est quel que soit mon nom, je vous gagne, quel que soit mon nom, entend ces paroles que je dis et la met en pratique, sera semblable à un homme brûlant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il y a un monde qui tendait par le Dieu. Mais il n'y a pas tant que seulement les mettent en pratique. Les mettent en pratique, ils vivent de parole-là. La nourrir de parole-là. Les paroles-là que nous voulons sont de nourriture. Mon sage pour un monde qui bâtit une maison sur le roc. Même les vents soufflés, même les inondations, même les tempêtes, même les triomphements de terre passées, la même maison qui tempérait des solides. Parce que tu es bâti sur le roc, l'obtenir par le bon Dieu, l'homme parce que la vie, nous sommes qui protégés. Mais parce que sanctifié, nous sommes qui protégés, ennemi n'a pas la vie. Mais dans le temps qu'il y a la commune de la sécurité, adversaire n'est pas capable de. Rien. Parce qu'on plantait sur la parole de Dieu, hein, ou campé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ même étant la bienvenue, ou pas faire rien. Parce que c'est Christ qui a protégé. Je dis, regardez, nous sommes une force, une partie, grâce à Dieu, l'esprit du Dieu, une force de mon esprit.
parce que nous trouvons toutes les pratiques des hommes qu'il a lorsqu'on a racité la parole de Dieu. Mais, verset 26, quiconque entre ces paroles que je dis et ne les pas en pratique, sera sous mon travail de connaissance, qui a passé les autres que ça vient. La vie est tombée, les dents sont venues, les dents soufflées, et on bat sur cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. C'est-à-dire, lorsque vous seulement entendez par le grand casque, là qui est sous-semblé, ou sommes avec nous, la base, on a en carré, mais je choisis sous simple casque. Mais les graves, tout ça va bien, alors, sont tombés. Sont insensés. Insensés qui passent les gens sous sable. Mais mon sable, la base de fleurs, et ça chouille. Vent vide, ça fait vide. Hein? Tout le cas de la vie, et passer sur les autres, ils ont salé bien. Quand le monde était 12 ans de l'église, se passait, avec les autres, ils étaient bien. Parce qu'ils étaient bien construits. Mais lorsqu'on a bien construit, mais ça a respecté l'homme. Construction, allez, vont passer, ils passent à la construction, ça y est. Son ami là, avec sa position de l'église, en pile, au moment où il y a un peu de temps, lorsque 12 ans de l'église se passait, qui quantité de monde qui mourit, qui fait des cailles qui crasent, qui fait des visites, qui fait des machines qui crasent, parce que maison, ça va être assis sur l'Europe, que va être énorme construction. C'est le même, même. Je dis à vous, vous savez, si c'est vraiment un secteur de la terre de l'Europe castigue, notre ruine sera grande au retour de Jésus-Christ sur la terre. Pour que lui ne va pas nous donner la route, faut nous pratiquer parole. Luc 8, verset 19, à 21. Je ne sais pas parler de la bouche de celui qui avait rapporté discours que Jésus fait. Luc 8, verset 19, à 21. Nous lisons ceci. La mère et les frères de Jésus vers le retour. Mais ils ne purent l'aborder. Non, mais Jésus avait fait le corps. Il va chercher Jésus et l'un. Mais il va pas aborder Jésus-Christ à cause de la foule. C'est une grande foule, il va pas venir pour Jésus. On lui dit, toi dit Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Jésus, vous savez, les vrais qui répondent. Ma mère et mes frères, ce sont ceux et pour la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en place. Qui est-ce qui maman? Qui est-ce qui papa? Qui est-ce qui frère? Qui est-ce qui soeur? Qui est-ce qui cousin? Qui est-ce qui cousine moi? Bref, qui est-ce qui famille? C'est pour ça que vous captez les paroles de Dieu et mettez les paroles en place. Donc, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Écoute, place. Écoutez, place. Écoute piégé, on va prendre la parole, c'est la première fois qu'on a pensé, la première fois qu'on a dit, 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 la première f
de l'homme qui va venir dans la vie là, je le compose, je le présente, parce que c'est pas vrai. Je le compose à tout le monde, je le suivant, mais c'est pas vrai. Venez ça, écoute piégé. Écoute piégé. Dis écoute sélective. Écoute sélective. Vraiment sélective, ça va être attendu. Ça va être intéressé, tout ça va être intéressé, tu peux faire. En qui est ça là, comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de temps de communication. Bref, mes chers amis. Nous dit, Jésus dit, mon dit maman, mon dit papa, c'est mon papa. Les paroles et qui mettait les paroles là en place. Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13, maintenant, vous êtes en Jésus-Christ, on est dans la porte de Paul. Donc, bref, ça, vous dit Paul, c'est une question. Romains 2, verset 13. Comment on dit, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés. L'esprit de Paul concorde à l'esprit de Christ. L'esprit de Paul est en harmonie à l'esprit de Christ. Un seul et même esprit dirige tout le corps. Dirige le ministère de Dieu. Jésus par mon esprit, Paul par notre esprit. Jésus par mon discours, Paul par notre discours. Jésus par mon enseignement, Paul par notre enseignement. Jésus par mon message, Paul par notre message. Non, c'est le même message. Hein? C'est le même message. Ceux qui ne sont pas en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justifiés dans le feu, mais ce sont ceux qui ont en pratique. Qui sont justifiés. Est-ce que Paul le dit là pour nous parler? Pour montrer nos chemins, comment faire les exercices? Comment faire nos paroles? Pour vous donner, ça que vous connaissez, c'est coupé. Pour vous donner. Deuxièmement, ce qui s'allait, c'est pratique. Pour pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut vivre les paroles de Dieu pour avoir part à la vie éternelle. Mon avis, si j'ai l'assemblée, je suis écouté seulement. Mais c'est bien écouter, non seulement écouter les pratiquer, on peut mettre en pratique ça le tremble. Maintenant, il y a une vie de chaque jour, mais il est tel que tout, ça l'a tremblé là, ça l'a dit là, pour nous pratiquer dans la vie où nous n'avons pas pu sauver. Troisième sens, troisième signification, selon la parole de Dieu, c'est étudier. Écoutez, pratiquer, étudie. On écoute, pratique, étude. Il faut étudier par là pour apprendre. Il faut étudier par mon Dieu. Il faut étudier par tout ça. Vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la position de la vérité. C'est pas pour la position de la vérité, vous avez le mensonge, pas de ça vous-même. Il faut que nous puissions étudier la parole de Dieu. Pour qu'apprendre qui ça mon Dieu veut pour moi. Pour qu'apprendre qui ça mon Dieu attend pour moi. Pour qu'apprendre qui projette mon Dieu veut pour moi. Faut qu'on étudie la parole de Dieu. Gloire à Dieu, mon Dieu, permet de chaque dimanche, nous capables d'entrer sur Facebook, nous capables d'enseigner nos salons, donc nous capables d'étudier la parole de Dieu ça avec moi. Pour qu'apprendre qui ça mon Dieu veut. Son Dieu, je veux que c'est la sanctification. Donc je vais étudier la parole de Dieu, je vais enseigner, on va faire ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Donc, on va étudier, ce va prendre, ce va vous dire pour jouer, ce va vous dire par le monde. Comment faire qu'on aime? Puisque va qu'on aime, ou pas prendre, ou pas capacité. C'est ça, mon Dieu veut de vous. Au lieu de nous pratiquer par le monde, au lieu de nous étudier par le monde, pour que nous projetions, pour que ça attende. Ça, pour nous capables de ça, les attendre nous. Pour capables de choisir Dieu, pour capables de choisir Dieu, pour capables de répéter, ça prend l'étude de la parole de Dieu. Tu vas prendre, tu vas étudier la parole de Dieu, tu vas ou pas continuer à prier, ou pas commencer à ténèbres, ou pas connaître la puissance de son esprit dans le monde. Tu vas étudier la parole de Dieu, tu vas apprendre la parole de Dieu, tu vas apprendre la parole de Dieu, souvent, tu sais, par le monde, je vais prendre le temps avec Jésus-Christ pour que je passe les ténèbres à la lumière. Pour que je prenne Jésus-Christ pour que je prenne Jésus pour Jésus-Christ pour lui. Tout péché, notre responsabilité, tout péché était dans la parole de Adam. Jésus-Christ, comme ce qu'on a dans l'église, l'enfant est passé de Jésus-Christ.
Maintenant, ça va nous droit pour faire service au Dieu. Mais ce n'est pas utilisé pour vous dire pour faire dans ça. Pour utiliser pour connaître avec le Dieu, ça allait aller. Parce que des missions terrestres qui sont finies. Mais les Michel, après que l'on a dans les enfants de Jésus cassés. Jésus m'a dit pour réunir dans les enfants de Jésus cassés. Mais pour réunir les enfants de Jésus dispersés, maintenant côté la mer, côté la mer, que lui pas gagné de lui, même dans son vie, les bons étaient les parents d'elle. Mais quand on se dit que ça allait disparaître, je ne sais pas pourquoi. Jésus lui a fait ça. Donc, ce maïs, tu n'as pas conduit, tu n'as pas fait ton nom. Pour jouer dans l'instruction, la parole de Dieu, quand on met l'instruction, c'est un reçu de foi que tu dis la parole de Dieu. Tu vas dire la parole de Dieu, comme ça, pour les Jésus, ça va être la terre encore. Ou pas dire que tu vas faire une autre, Jésus, ça va être le péché, ça. Ou pas dire que tu vas faire une autre, mon pasteur, le péché, ça va être 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 le péché. Tandis que la Bible dit, c'est bien sur le cosmos, c'est juste là, on a les oubliés, qui a dit, ça va être le péché, ça va être le Jésus, il sera grand et sera petit du garot. Il est venu de là le premier de son père. Il va lui rassurer dans son déjà quand il est là. Et son rêve dans la première bien. Pour appeler Jésus, ça veut dire sur la terre. Avec la bonté dans le ciel. Comment on va faire donner sa parole Jésus, parole de Dieu. Dans le temps de sa parole, je vais être ceci. Il ne sera jamais déçu. Il détruira tout ça en bas. Lui, il va éternellement. Comme tu parles, tu dis que si c'est sur la terre, tout gouvernement, que sur la terre, Jésus va vivre la déchue tout. On va parler de lui, par exemple, passer sur la domination d'aucun. On va parler de la vie éternellement. Comment faire connaître ça? L'étude. Comment faire connaître gagner le monde qui va dans le ciel, passer les six mois, il y a l'épouse de Jésus-Christ. Pour pas dire même j'avais pour l'église à passer dans le ciel. Comment on va faire comme ça? C'est l'étude de la parole de Jésus. Là où Jésus n'a pas vu pour celle que je vais aider. Je vais me chanter ici, je vais me satisfaire de Dieu. Je vais me satisfaire de Dieu. Je vais me faire un peu en bas. Je vais me faire un peu. Comment on va faire comme ça? C'est l'étude de la parole de Dieu. Comment on va faire comme ça? Parce que vous avez voté par les cristaux dans le ciel. C'est l'étude quand vous avez fait comme ça. C'est l'étude. Donc étudiez. Mais pour ne pas combattre ça, pour ne pas vivre de l'eau, c'est notre espérance pour vous. C'est l'étude que vous avez à former, c'est 50 000 personnes qui n'ont pas un sacrifice dans le ciel. C'est l'étude que vous avez à vous retourner de la France de l'eau. Il est sacré pour vous-même. Nous voulons que ça à tout le monde qui est dans le ciel, on a la retourner. Faut qu'on ça, c'est une parole que Dieu a écrite. Faut qu'on étudie pour nourrir les paroles de Dieu. L'on va étudier ou nous aura quelconque. Ou nourrir les paroles quelconque. C'est une de la parole de Dieu, étudier comme ça vous chantez, ça vous va chanter. Ou pas jamais nourrir, vous n'avez pas de la parole de Dieu. Moi, je suis la vie à la Syrie. Faut qu'on va prier pour nourrir la loi à ce que la Syrie. Et tu vas vous dire qu'il faut que tu achètes des paquets, tu vas vous dire que tu vas dans l'église au débat. Faut étudier, faut instruire, faut former. C'est tu vas vous dire qu'il faut que vous ayez envie de sanctification. C'est tu vas vous dire qu'il faut que vous ayez envie de vivre dans l'implicité, dans la pauvreté, dans la vie, dans tout qui sale. C'est tu vas vous dire qu'il faut que vous ayez envie de ça. C'est tu vas vous dire qu'il faut que vous ayez envie de ça. Et vous pouvez disposer sur vous, vous la meilleure. C'est une femme de vous connaître, l'idée de vous conformément au siècle présent, pour ne pas vivre, j'ai tout pour la vie, avec le chrétien, pour dévoiler tout le coup de colère ou non, pour vivre dans l'autre façon de Dieu. Ça va faire, mais ça, c'est une parole de Dieu. Mais c'est ça. Il faut préciser la parole de la vie. C'est une parole de Dieu qui a dit, mais comment vous comprenez, mon frère? C'est une parole de Dieu qui a dit. Et donc, pour comprendre, notre soeur va prier là, car nous verrons pour votre Dieu. Si il va étudier, si il va attendre, si il va instruire, on va faire là. Alléluia. Dernier que nous apprenons l'histoire, nous apprenons les idées. Pour nourrir la parole, numéro 1, il faut entendre les paroles, écoute, ou écouter. Numéro 2, il faut pratiquer la parole, c'est la pratique. Numéro 3, il faut étudier. Numéro 4,
ici dans les mains, faut que moi, mes chers et mes chers amis, méditer la parole. Faut que moi méditer la méditation. Donc, on va aller dans Josué, Moïse, verset 8, pour nous comprendre ça. Maintenant, verset ça, Josué, Moïse, verset 8, comme verset, pour illustrer ça en disant, faut que méditer la parole de Dieu. Nourrir la parole de Dieu signifie tant les paroles. Nourrir la parole de Dieu signifie écouter la parole. Nourrir signifie placer les paroles. Nourrir la parole de Dieu signifie étudier la parole. Nourrir la parole de Dieu signifie méditer. La méditation, Josué 1er verset. Que ce livre de la loi de Seigneur est pour de ta bouche. C'est pour parler de Dieu, c'est pour parole de Dieu, la loi. L'ancien et le nouveau testament. Il va le jamais évaluer de bouche dans ta bouche de ta parole. Je dis là. Dans ta parole avec les commandements. Il va parler avec loi pour dire à Moïse, la parole de Sinaï. Dix commandements qui se lèvent à cérémonielle. Donc c'est une relation qui se fait à Josué. Non pas pour tomber dans le nouveau testament avec Jésus. Mais dans ça, pour ça que nous-mêmes, je dis là, livre la loi, c'est Bible là. Il livre la loi par là. Bible là qui dit dans Dieu, par ici, dans le nouveau testament. Il va le jamais éloigner de vos bouches du monde. Il dit, médite le jour et nuit. Seigneur, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas peur que nous sanctifions. C'est pour méditer jour et nuit. Pour ça, nous devons agir fidèlement selon tout ça qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Sous-réussis dans son fait, sous le succès, dans la parole de Dieu, sauf méditer le matin, méditer le midi, méditer le soir. Il faut toujours mourir les paroles, il faut toujours lire les paroles, toutes les paroles là, étudier les paroles. Méditer les paroles là, c'est ça qu'on nous met à la vie éternelle. Donc, on a visité, on a prié, on a lu, on va la demander de quelque chose. Parole à mon ami, quelque chose qu'on fait. Ce que la parole de Dieu nous demande pour notre sanctification. On a oublié trois textes. Après trois textes à vous, on a oublié le dernier texte comme texte de conclusion. Trois textes, c'est 1 Pierre 2, verset 1 à 5, 2 Timothée 2, verset 21 et 2 Corinthiens 6, verset 17. On a oublié trois textes à vous. Mais tu as pas parole, mais la voulu parole, la voulu lui, il m'a vu qu'on fait quelque chose. Qui s'en est venu? Est-ce que quelqu'un qui a 2 versets 1 à 5? Il va dire: rejetant toute malice, parlons de Dieu, le matin, tout ça qui malice, tout ça dans le bras, la table, c'est pour le signer, toute malice, et toute ruse, pour pas vous séparer avec. On va mettre tout malice, tout ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Allez, mon mal, mon langage, mon comportement, un bouchon par une patelle, médisance, pas mon mal. C'est pour rejeter tout malice. C'est ça pour l'amour, pour la sanctification, c'est l'amour. Sous les sanctifiés, ou le rejeter toute malice, ou le rejeter toute ruse, ou le rejeter toute dissimulation, ou le rejeter toute conduite, ou le rejeter toute existence. Désirez, nous sommes vous désirés, nous sommes là, nous sommes là, mais nous sommes heureux. Désirez, comme des enfants vous voulez, le lien spirituel est pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Faut désirer au contraire, en tant qu'enfant, vous voulez. Faut désirer les paroles que j'ai le lait spirituel. Pour qu'il soit pour capable de sauver. Pour capable de croire à tous ces gars, c'est lui qui croise sans déchet. C'est le lait spirituel pour vous. C'est vous qui spirituel pour vous désirer au contraire. Au lieu de vous désirer les valises toutes on l'a désigné la dissipation, on l'a désigné la résistance, on l'a désigné l'envie, et tout une baguette pour dire dans notre question. On a désigné tout,
le laisse seul. Ça vous les enfants vous voulez. Mais pour les enfants vous voulez, ce qui se fait, une relation qui se fait, ça va aller par une lettre. Un droit beau, vous allez continuer, etc. Ou un droit. Non, même si vous voulez, vous désirez le laisser faire. Plutôt, pour ça, vous avez bien dit. Alors, si on a fait, vous l'alliez, c'est le seul à l'île. Alors, pour ça, vous avez bien dit. Et donc, même si c'est spirituel, qui s'est parole de Dieu, pour nourrir, mais ça va commencer à grandir dans vos yeux. Pour prendre les enfants. On va passer pour le salut, déjà grandi, l'homme grandit sa pauvre pour le salut éternel. On a dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'homme fait là, on va grandir le salut, il y a un score, vous goûtez que mon Dieu est bon. On va dire, approchez-vous de lui, bien vivant. Rejetez par les hommes, mais choisissez les précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme quelqu'un vivant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un sacerdoce saint. Afin d'ouvrir des vies spirituelles, arrivez à Dieu par le Dieu. C'est ça, mon Dieu, à attendre de nous. Comme vous, après ce qui va voler. Comme vous, après les paroles. Comme vous, après ce qui comme vous, après ce qui va voler. Demandez-vous qui ça? Demandez-vous pour rejeter vos séparés. Demandez-vous pour désirer votre vie. Deux secondes de la semaine. 2 Timothée 2:22. Qui ça, Paul dit? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase de Dieu, sanctifié, utile à soumettre, tout le corps à tout bon cœur. 2 Timothée 2:22. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à tout bon cœur. Il est de toute la vie. Pour que l'éternel de la sanctification soit capable d'utile à tout bon cœur avec c'est Jésus. Non, oui, c'est ça qu'on a vivre. C'est ça qu'appelle tout sanctif. Il faut que vous mettez tout. Je ne vais pas acheter mon blanc, je ne vais pas acheter mon médicament, je ne vais pas acheter mon. Tout va être suicidé là, envie, médicament, ruse, dissimulation. Ça va dire quoi? Il va aller aussi malice. Quand une personne de toutes les années, on va prendre envie sanctifiée. Mais ça va vase d'honneur ou à utile à mettre. Et donc, il faut chaque matin de travail pour avoir le vase d'honneur pour que lorsque mon Dieu est servi, pour le Seigneur, avec mon vase d'honneur, ça va être vase d'honneur. Dans le service, je dis là, le vase d'honneur pour être utile dans le bon Dieu, avec le vase d'honneur pour le sanctifier. Vase à lui, pur. Dans 2 Corinthiens 6:27, on ne sait pas. Puisque on veut terminer le corps, puisqu'on veut chercher la pureté, puisqu'on veut chercher sans dire la parole, parole la Bible dans 2 Corinthiens 6:17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous appelle. C'est pour ça que c'est pour sortir un animal. C'est pas arrivé dans le milieu, mais c'est sorti dans le milieu. Quand on a un évangile, on a un évangile, on a un parole qui nous sanctifie, quand on a ces royaux qui vous se donnent, on a une grâce, on a un zilou, ou parfois qui sanctifie là, qui ne sait pas vous délire, sorti dans le milieu. Ou quand on a oublié, on a la blague, ou bien on a le Seigneur avec la main, ou bien on a le pasteur à la formation, ou bien on a le pasteur à la dira, ou bien on a le pasteur à la dira, qui sait où était la main, ou parfois qui sanctifie là. Alors on dit en nous de sortir dans le milieu. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est pour séparez-vous. Par les sanctifications, le sanctifié signifie séparer, mettre à part. Séparez-vous et mettre à part Dieu. C'est le sort sanctifié. Mais nous, c'est le sort sanctifié. C'est pour séparer-vous. Ils vont toucher à la guerre qui m'apporte. C'est ça,
mon Dieu a hanté vous. On a fait pour le moment, on va afficher à sa salle. Pour que ça, vous êtes capable d'accueillir. Vous êtes capable d'accueillir, vous êtes capable d'accueillir. Sans citation, par la parole, ça va en passer au salut et là. En conclusion, je vais dire, avec nous, on se dit par rapport à Dieu, en dehors, dans sa vie, en se nourrissant de la parole de Dieu. Nous ne l'aimons pas au Dieu, nous ne sanctifions pas la parole de Dieu, lorsqu'il a diminué la parole, lorsqu'il a nourri de parole, c'est ça notre vie éternelle. Que ce qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste reste encore injuste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Il s'agit de la sanctification au risque. C'était avec vous, chers amis, chers ennemis, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-David. C'est bien mon frère, je vais vous dire, petit ça. Deuxième, la sanctification à vous. Que par mon Dieu sanctifie-nous, et grâce à mon Dieu, nous t'a fait jusqu'à ce que Jésus-Christ, pour nous, est un vrai pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Notre vie, c'est vrai que quelques années, je me dis à la fin avec toi. Je suis Jean-Louis, et salut du Père, salut du Saint. Je n'attends pas de lui, je n'en ai 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 pas de lui. L'innocent des hommes, là, et en 1900, la réalité de la honte, nous savons, et puis Chili, bonjour les liens, bonsoir, on a tous les liens. Amen. Non, ça a eu tout le monde, tout le monde, depuis le Brésil, nous savons, c'est joli, tout le monde, les liens, les liens, ça a eu la position. Ça a eu le lien, les noms. Et cette sanctification, c'est spirituel seulement. Bon, ça veut dire que nous avons le développement de ce là sanctifié, c'est ton rapport à l'essence. Oui, c'est sanctifié, c'est spirituel, ça veut dire. Lors sanctifié, sauf que la route est subie sa dimension, comme la page de sanctification, on va différencier les sanctifications de la semaine, ça fait à nous qu'on a fait pareil. Lors sanctifié, c'est des rapports à lui, on va plutôt à part. Mais tu vas passer là où le monde est. Si là où le monde est, séparation, on va bientôt à part, la mise à part aussi. C'est séparé, c'est pas plus bon, c'est la mise à part, et donc à part de Dieu. C'est spirituel. C'est aussi là où le monde est. Oui, ça veut dire que la vie du Brésil, c'est spirituel. Donc ça veut dire échange blanc. Depuis le Brésil, on dit non, l'Afrique est blanc, c'est le Brésil. Et vous savez, tout le monde des frères et sœurs qui étaient ensemble avec nous dans un pays pour peut-être participer ensemble avec nous dans cette enseignement. Et nous passons avec vous pour dire merci de votre enseignement. Que mon Dieu bénisse chacun de nous. Bye bye, bonne semaine.